Décrié pendant des mois, d'abord pour son choix de casting, puis pour une bande-annonce sombre aux effets spéciaux douteux, le remake live de La Petite Sirène avait finalement plutôt bien fonctionné lors de sa sortie en salle en mai dernier, puisqu'il est encore dans le top 10 des films les plus vus en salle cette année, et qu'il vient d'effectuer un excellent démarrage sur Disney+. Ce qui est encore une fois la preuve que peu importe ce qu'on donne à manger aux gens, tant que c'est saupoudré de nostalgie, personne ne se plaindra que ça goûte la merde. Parce que, comme avec la plupart de ces remakes, c'est pas bon. La critique ne sera pas trop longue, je vais pas revenir en profondeur sur le film, puisque comme tous ces remakes live, il aura droit à son exécution en bonne et due forme dans un grand cinépop consacré. J'ai enfin pu le rattraper maintenant qu'il est sur Disney+, parce que j'ai arrêté de donner mon argent pour aller mater ce genre de produit sur un grand écran depuis quelques temps. Et c'est sans aucune surprise que j'ai passé un moment, disons, moyen, voire presque désagréable à certains instants, surtout pour mes yeux. Et pourtant, il y avait presque de l'espoir, parce que les retours d'il y a quelques mois en parlaient comme d'un film regardable, plutôt dans le haut du panier en matière de remake en prise de vue réelle de Disney, mais bon, ce serait oublier que même le haut du panier est généralement bien en deçà de ce qui est acceptable de la part d'un studio légendaire comme Disney, qui s'apprête à fêter ses 100 ans dans l'une de ses périodes les plus pauvres pour ce qui est de son inspiration, et ça c'est sans parler de la grève, mais c'est pas le sujet. Ma première inquiétude, ça a été de voir que le film faisait allègrement 50 minutes de plus que l'original. Si c'est pour ajouter du matériel novateur et intéressant, en ajoutant peut-être un peu du dramatique qui faisait l'œuvre d'Andersen, super! Si c'est pour rallonger des scènes qui n'en ont pas besoin et donner une chanson insupportable à Awkwafina, non merci. Et devinez lequel des deux on a eu? Ok, comme je l'ai dit, je vais essayer de faire court, mais il y a tellement de trucs à dire que je vais devoir me contenir un peu. Si on veut commencer par le positif, c'est assez simple, on va globalement parler de tout ce qui se passe en dehors de l'eau. Les 5 premières minutes sont encourageantes, le film s'ouvre même sur une citation directe du conte d'origine, ce qui pourrait presque faire espérer certains, mais non, le film ne s'approchera jamais de la noirceur de la version d'Andersen. Faut pas rêver. Donc ouais, ce qui se passe sur le bateau en début de film est pas mal. On fait des sirènes la menace qu'elles représentaient dans certaines croyances il y a des siècles, et pour rester sur le positif, lorsque Ariel arrive sur la terre ferme et commence à explorer, c'est pas mauvais. Il y a quelques petits défauts, oui, mais on est loin de l'horreur qu'on vit à chaque minute dans les fonds marins, où rien ne fait vrai. Des créatures marines aux faux cheveux de Javier Bardem. Parce que le vrai souci de cette nouvelle version de La Petite Sirène chez Disney, ou en tout cas le plus évident, c'est ça, les visuels. Leur envie de réalisme vient encore une fois gâcher le peu de potentiel du film, comme avec Le Roi Lion. Ici, Polochon est affreux, Sébastien est juste un bête crabe, et les efforts de David Diggs au doublage n'y changeront rien du tout, et Eureka, malheureusement doublée par la voix toujours aussi insupportable d'Awkwafina, est désormais un fou de bassin. C'est censé justifier le fait qu'elle reste sous l'eau, mais ça n'explique pas comment elle peut y rester 90 secondes et surtout y parler. Sans déconner, putain, tu dois respirer. Ces trois personnages, mémorables en 89, sont ici vidés de toute leur substance, de ce qui les rendait attachants, drôles ou mignons. Tout ça dans ce fameux souci de réalisme. Réalisme qui n'a aucun sens puisqu'on est devant des sirènes, des sorcières des mers, des contrats magiques et des animaux qui parlent, bordel de merde. Mais encore une fois, c'est un gros débat qu'on aura principalement quand on abordera le pire de sa live action, en tout cas pour l'instant, Le Roi Lion. Bon, faut vraiment que j'arrête de digresser parce que sinon la vidéo va faire 10 minutes et j'aurai pas le temps de la finir. Ce qu'on voulait tous savoir après les polémiques débiles sur la couleur de peau d'Ariel, parce que bon, on parle d'un personnage fictif les gars, qui remplacera jamais l'original, donc calmez-vous, allez vous faire une tisane, je sais pas, et pensez à des trucs plus importants. Bref, ce qu'on voulait tous savoir, c'était si la jeune Ellie Bailey allait assurer dans le rôle, et en vrai, ouais, ça passe largement. Elle a le charisme pour, la voix pour, cet air innocent et heureuse de découvrir des choses qui correspondent totalement à la Ariel des années 80, y a rien à redire. Et clairement, à choisir, je préfère une Ariel qui s'éloigne physiquement de son modèle, mais qui gère le rôle, plutôt qu'une belle castée pour une certaine ressemblance physique, mais qui a besoin d'une tonne d'autotune sur ses chansons. Désolé Emma, mais vraiment ce rôle-là c'était une catastrophe. Son couple avec Eric marche bien, ils ont quelques échanges sympas, ça réinvente pas la romance, mais ça passe. Ce qui m'a peut-être le plus étonné, c'est de ne pas détester au plus haut point la Ursula de Melissa McCarthy, qui fait un très bon travail vocal, et qui, malgré des CGI toujours limites, surtout lors de l'horrible bataille finale, où l'obscurité et la pluie peinent à cacher la laideur du bazar, est sûrement le truc le plus divertissant sous l'océan. À propos de sous l'océan, quelle transition incroyable! Les chansons n'atteignent jamais la puissance de celle du film de 89, que ça soit la performance vocale, avec une Ellie Bailey qui chante très bien mais qui veut parfois en faire un peu trop,
ou à cause des visuels totalement bridés par cette stupide envie de tirer vers le réalisme. Le meilleur exemple étant justement Sous l'océan, passage de loin le plus coloré du temps qu'on passe sous l'eau, mais malgré tout absolument fade si on ose le comparer à son aîné. Comme le reste du film d'ailleurs, l'océan ne pousse jamais à l'émerveillement, tant tout est beaucoup trop sombre. Bien entendu, ça reste de très bonnes chansons grâce au talent d'Howard Ashman et d'Alan Menken dans les années 80, mais jamais je n'irai réécouter ces versions-là à la place des originales. Dans les nouvelles chansons, apparemment chapeautées par le pourtant excellent Lin-Manuel Miranda, on a Une bonne idée, une chanson qui se passe dans la tête d'Ariel lorsqu'elle a perdu sa voix, et deux autres dont on se serait bien passé. Une chanson pour Eric assez inutile, mais surtout pendant laquelle on ne croit pas une seconde que c'est l'acteur qui chante. Je sais pas si c'est un problème de mixage ou autre, mais ça jure complètement. Et une chanson d'Eureka avec un tout petit peu de Sébastien, un genre de rap qui donne assez rapidement l'envie de se farcir les tympans avec du verre pilé. Imagine t'as David Diggs dans ton film. David Diggs, c'est lui, par exemple. Tu fais une chanson qui pourrait lui correspondre, mais tu donnes 80% des paroles à Awkwafina. Ça n'aurait aucun sens, on est d'accord. Et pourtant... Au final, je ressors du film frustré, parce que malgré le fait qu'il n'ait aucune raison d'exister sous cette forme-là, c'est-à-dire cette espèce de copier-coller narratif uniquement là pour capitaliser sur la nostalgie des gens un petit peu trop naïfs, que pour se rendre compte qu'ils se font entuber tous les 6 mois à payer 15 balles pour les regarder ces live-action... Attendez, je m'emporte un peu... Ouais, donc assez frustré parce que les passages sur Terre sont pas horribles, que l'alchimie entre Ariel et Eric est présente, et on finit même par se dire que s'ils avaient fait un minimum d'efforts, sur les rendus sous l'eau par exemple, je rappelle que le film est sorti quelques mois après Avatar 2 et que la comparaison entre les deux est absolument mortelle pour la petite sirène, hein, avait osé s'éloigner un petit peu du matériel de base et pas juste avec une perte de mémoire débile à propos du baiser ou en rajoutant une maman à Eric, et donner un peu plus de temps aux équipes des effets spéciaux pour terminer le combat final, ça aurait presque pu être acceptable. Pas un grand film, bien sûr, pas un film utile non plus, mais juste un petit produit pas désagréable. À la place... Mais encore une fois, vu les chiffres et le succès auprès d'un certain public, ils sont pas prêts de s'arrêter de nous produire ces merdes. C'est quoi le prochain encore? Ah ouais, on va se marrer. C'est vite vu, vite oublié, et ça mérite pas plus que 8 sur 20. Bon, on se retrouve ce week-end pour un autre film que je viens de rattraper et qui est peut-être un rien meilleur que celui-ci, Élémentaire. Et pour tous ceux qui attendent le prochain Cinépop Disney, j'ai pensé à vous et avancé dans le planning le Cinépop sur le Bossu de Notre-Dame, qui arrivera le week-end prochain. Ciao !